الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي آخى إلى الأرواح وألف بينها قبل ظهور الأشباح وعلمنا على لسان سيدنا محمد ان الارواح جنود مجنده فما تعارف من اعترف وما تناكر من اختلف واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافه الخلق ارسله والصلاة والسلام على من آخى من المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير ما تقرب به إلى الله أداء المفروضات وخير الوعي ترك المحرمات وآكد المفروضات صلوات الخمس الواجبات فعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات ورزقوا وتشجعوا وتنصروا واتقوا الله لعلكم تفلحون الحمد لله نرمسك الكفوة الله سبحانه وتعالى دوابة شيء سكرسي سنو وفلو مالدي لو مالدي كي بدأت بجوء لبوز مبارطان لسومين الله سبحانه وتعالى Comme nous l'avons déjà commencé, nous allons continuer avec l'histoire de notre cher prophète, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit qu'il y a autant de révélations coraniques qui nous amènent à chercher à savoir un peu plus sur la vie de notre cher prophète. De le tout puissant Allah nous dit dans le Coran, أَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ Ont-ils renié leur messager parce qu'ils ne l'ont pas connu? Ce qui nous amène à chercher à connaître le prophète Mohammed davantage et ne pas le renier. Quand on ne connaît pas la grandeur d'une personne, on ne peut pas nous jouer cette grandeur-là. Quand on ne connaît pas la dignité d'une personne, on ne peut pas nous connaître cette dignité. Et Dieu va au-delà quand il dit que nous terminerons l'histoire, s'adressant au prophète Mohammed, des prophètes qui ont précédé, afin de m'apporter un renfort moral. Tout ce que le peuple pourra faire contre l'adversité, sache que des peuples avant toi m'ont fait sourire à leur prophète. Si tu en es informé, cela va t'apporter un reconfort moral. Tu verras que tu n'es pas le seul à le subir. S'il n'y a rien d'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'y a rien d'histoire des autres prophètes, un autre prophète peut lui apporter le reconfort moral. Pourquoi si on comprend qu'il n'y a rien son histoire, sa communauté va certainement lui apporter aussi beaucoup de reconfort moral. La dernière fois, nous avons parlé de la Kaaba, de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et nous avons dit la première personne qui a initié l'idolâtrie dans la péninsule arabique. Quand Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam a reçu l'âme, toute l'Arabie, ceux qui habitaient dans la péninsule arabique, étaient tous des monothéistes. Et tous n'adoraient un seul Dieu.
celui-là que Sidna Ibrahim leur a donné des informations sur lui. Ils étaient tous des monothéistes et associés aucune autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que advienne l'arrivée d'un certain monsieur qui était le maître de Bani Khuza'a, qui, avec sa communauté, a chassé Jorou. Jorou, donc Ajarahim, ont quitté la religion arabique pour se retourner au Yémen, mais en partant, ils ont refermé le puits des Zamzam. Donc il n'y avait plus les Zamzam. Khuza'a, ou Bani Khuza'a, s'est installé et ils sont devenus des nouveaux chefs de la Mecque. Ils ont mis un grand chef qu'on appelait Amrou ibn Luhay, comme je l'ai dit la dernière fois, qui était la première personne à initier l'idolâtrie. L'homme arabe adora que Dieu soit roi. C'est cette religion qu'il a reçue de cet Ibrahim. Mais Amrou ibn Luhay a été la première personne à avoir transformé la religion de l'arabe. Et le prophète Mohammed, son nom, a dit que Ra'aytu Amra ibn Luhay bin Nari yajurru ama'ahu awwal man baddala din al-arab. Je vis Amra ibn Luhay dans l'enfer, traînant ses intestins. Il est le premier qui a changé la religion des Arabes. Alors donc, l'idolâtrie a commencé par Amra ibn Luhay. Et parce qu'il était allé voir les Amalek vers Charles, et il est venu avec une idole qu'on appelle Koubal. Et il a installé Koubal dans l'enceinte même de la Kaaba. On l'avait dit la dernière fois. Il ne s'est pas souvenu de cela. Il y avait deux grandes idoles qui, en réalité, ne sont pas des idoles, qui étaient naturellement des Issaf et Nabila. Deux personnes qui ont commis l'adultère dans l'enceinte de la Kaaba et que Dieu les a transformées en pierre. Ces deux représentations-là sont devenues encore des idoles dans l'ancienne de la Kaaba par Amrou ibn Luhay. Amrou ibn Luhay a transformé beaucoup de choses. Ce que je vais surtout dire, c'est que par Amrou ibn Luhay, l'idolâtrie est rentrée à la Kaaba. Souvent, il y a le point d'idole dans la Kaaba. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une autre histoire, toujours. C'est lié à la Kaaba. Comment est-ce que le judaïsme est entré dans la culture arabique? Ils n'étaient pas juifs. C'était des gens qui ont la din al-hanifi, à l'aide d'Amadoum, Rasoul Moubada, Sayyidina Ibrahim, a.s. Ils étaient tous dans la religion de Sayyidina Ibrahim. Après l'idolâtrie est entrée. Après l'idolâtrie, le judaïsme est arrivé. Le judaïsme est arrivé comment? Vous savez, les Yéménites ont eu un grand roi puissant qu'on appelait Tabbanu As'ad Aboukar al-Khimyari. C'était un grand roi. Et il était tellement puissant qu'il s'était lui-même initié à faire beaucoup de tourisme, à aller en voyage de l'ouverture. Chaque année, il sortait avec une grande année pour aller visiter un peu les pays aux alentours du Yémen. Il était très riche, voilà pourquoi on l'appelait Abu Bakr, le père de la générosité. Il s'appelait Tabban As'ad Abu Bakr al-Khimyari. Al-Khimyari, on a dit d'autre que le nom même de la ville du Yémen avant. Alors Tabban, pendant un de ce voyage, a fait la découverte de Yathriba. Yathriba, c'est l'actuelle Médine. Quand il a fait la découverte de Yathriba, les Yéménites, avant, ils avaient cette manière de pouvoir organiser tout ce qui était plus organisé. Ils s'est installé à Médine pour réorganiser la vie à Médine. Et quand il partait, il a laissé un de ses fils là-bas. Alors ce fils-là, pendant que Tabban As'ad Aboukar était en voyage, a eu un conflit
avec les habitants de Médine. Et les habitants de Médine l'ont tué. Et quand ils l'ont tué, Tahal Asad a eu une formation. Automatiquement, il a laissé Sham pour venir prendre la revanche de son fils. Tahal Asad, pour lequel on a fait guerre, quand il est arrivé, il a déclenché une guerre entre lui et les habitants de Médine. Alors, ce qu'il a découvert qui était extraordinaire, c'est que toutefois qu'il faisait nuit, donc il y avait une trêve, il n'y avait pas de guerre la nuit, les habitants de Médine préparaient pour lui apporter à manger. Il était étonné. Il les a posé la question, mais nous sommes en guerre et vous m'apportez à manger? Et lui me dit, monsieur le roi, tu n'es pas chez toi. Tu as quitté chez toi depuis les élèves pour nous livrer bataille contre nous-mêmes. Mais nous, notre générosité nous impose que quand quelqu'un quitte chez lui jusqu'à chez nous, il devient notre hôte. Ce nom que tu devons nous donner à manger. Il est très ennemi, mais cependant, il nous donnait à manger. Mais malgré ça, il avait tellement mal que son fils soit mort dans la guerre, il n'a pas pu s'empêcher de continuer la guerre. Pendant qu'il était en train de faire sa guerre, il a reçu la visite de deux rabbins juifs, donc des religieux juifs. Quand ces rabbins sont arrivés, ils ont dit, monsieur le roi, nous te demandons d'arrêter automatiquement de faire la guerre aux habitants de Yasséba. Il a posé la question de savoir pourquoi dois-je arrêter de faire la guerre aux habitants de Yasséba. C'est ainsi qu'ils lui ont dit que cette ville-là, Bah-Jean-Rosoulida, que c'est la terre d'immigration du dernier prophète, venu de Dieu, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ce moment-là, même les grands-pères très proches du prophète Mohammed n'étaient pas encore nés. Il leur a dit, mais où est-ce que vous avez vu ça? Ils lui ont dit que nous avons vu ça écrit dans la Torah, donc dans la Torah. Quand il a découvert le futur, que le dernier prophète va apparaître et viendra choisir Médine comme sa terre d'immigration, automatiquement il a arrêté la guerre contre les habitants de Médine, contre les habitants de Médine. Alors, il a décidé de retourner au Yémen. Mais sur son chemin pour aller au Yémen, et avant même d'aller au Yémen, il a accepté de devenir juif. Puisque c'était une révélation qui venait du ciel, donc qui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté d'être juif, de l'aider à Allah. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sur son chemin pour retourner au Yémen, il a trouvé une tribu arabe qu'on appelait Al-Hazabiyou. Cette tribu arabe-là avait une dent contre les habitants de la Mecque. Il lui a dit, oh monsieur le roi, nous t'invitons à prendre de l'or cadeau. Nous avons un temple ici, parmi la Kaaba. Dans ce temple-là, il y a beaucoup d'or qui est enterré là-bas. Parce qu'avant, il y avait deux gazelles, deux antilopes à mort qui étaient enterrés dans l'enceinte de la Kaaba. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le roi est de l'or. Automatiquement, il a dirigé son armée vers la Kaaba pour détruire la Kaaba et s'emparer de l'or qui est dans la Kaaba. Mais les deux rabbins qui étaient avec lui, donc les deux religieux juifs qui étaient avec lui, ont dit, monsieur le roi, vous ne pouvez pas détruire la Kaaba. Il dit pourquoi? Il lui dit, parce que la Kaaba, la Mecque, que c'est là que ce dernier prophète l'a amené. C'est la terre de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, alors donc, que dois-je faire? Ils lui ont demandé d'aller faire la tawaf autour de la Kaaba. Donc quand il allait faire la tawaf autour de la Kaaba, il a fait quelques jours là-bas dans la ville de Mecque. Une nuit, pendant qu'il dormait, il a reçu une recommandation d'habiller la Kaaba. Avant,
la Kaaba était nue. Il n'y avait pas de toit aux entours de la Kaaba. La Kaaba n'était pas ouverte. Tabal Asad, avec lequel la Frédérie a été la première personne à avoir ouvert la Kaaba, à couvrir la Kaaba. Il a fait premièrement avec de la laine. Il a demandé à son peuple de prendre de la laine pour couvrir la Kaaba. Quand ils l'ont fait, quelques temps après, il a eu un autre songe, lui disant de le refaire avec du coton. C'est ainsi qu'ils ont pris du coton et ils ont couvert la Kaaba avec cela. Donc c'était le premier vêtement de la Kaaba. Et Tabal Asad, en le cas de la Frinerie, est considéré comme le premier homme à avoir enveloppé la Kaaba. Alors, il continua son chemin pour aller au Yémen. Et quand il est arrivé au Yémen, il a invité son peuple à embrasser sa nouvelle religion de judaïsme. Son peuple a refusé. Et son peuple était des idolâtres à cette époque-là. Mais leur idole était un feu qu'ils adoraient. Pour eux, c'était un feu sacré. Et ce feu-là était dans une case. Quand ils avaient des besoins, ils viennent s'arrêter à l'entrée de cette case-là et ils commencent à faire des incantations. Le feu la sort et il se manifeste. Quand deux personnes avaient des problèmes, quand ils viennent s'arrêter, celui qui était en tort, le feu sort et le feu consume celui qui a tort. Alors donc, les deux rabbins qui étaient avec Tabal Asad ont demandé de faire cette expérience. Nous avons la religion vraie. Vous êtes des idolâtres. Mais pour vous donner confirmation que notre religion est celle de Dieu, on va aller, vous allez faire vos incantations devant la maison où se trouve le feu, nous allons prier Dieu. Celui qui a raison sera distingué de celui qui n'a pas raison. Alors donc, ces idolâtres-là sont partis. Ils ont commencé leurs incantations. Pendant qu'ils faisaient leurs incantations, les deux rabbins aussi commençaient leur prière. Il fut le moment, la porte s'est ouverte, le feu est sorti et s'est dirigé vers les chefs des idolâtres. Ils ont pris la fuite. Et quand ils ont pris la fuite, leur peuple les a blâmés. Vous dites que vous avez raison que vous fuyez. Ils sont revenus, ils ont recommencé les incantations. Le feu est ressorti à nouveau et le feu les a consumés devant tout le monde. Alors quand les habitants du Yémen, quand ils ont vu cela, ils sont tous devenus des Juifs. C'est ainsi que le judaïsme s'est installé dans la péninsule arabique. Il faut comprendre que quand on parle de la péninsule arabique, il s'agit du nord et du sud. La Mecque, Médine sont considérés comme la partie sud. J'avais dit la partie sud nord. Le Yémen est considéré comme le sud de la péninsule arabique. Donc, tous ceux qui étaient là-bas sont devenus juifs. C'est ainsi que le judaïsme s'est installé dans la péninsule arabique à cause de Tabal Asad, Aroukal, la Tibérie. Et nous sommes se continuent parce que tout cela a un rapport avec le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Celui qui veut connaître le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, cette personne doit se donner le devoir de connaître l'histoire du prophète Mohammed. Et comme vous savez très bien, la lumière du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam a habité des épines dorsales avant lui. Donc il y a des prophètes qui l'avaient chargé. La lumière du prophète Mohammed avait existé à lui, tel que c'est dans Ibrahim. Rappelez-vous, nous avons l'obligation de donner cette histoire-là jusqu'à sa naissance. Et il y a beaucoup d'événements qui se sont produits. Je viens sur le verset. En mondial, vous la ne connaissez pas l'air messager pour le lier. Celui qui ne connaît pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette personne ne pourra aucunement l'aimer à sa juste valeur. Alors que aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une condition de foi. L'esprit qui nous disait, Ahibouni ma bidoulala, aimez-moi pour l'amour que vous avez pour Allah.
et aimez ma descendance pour l'amour que vous avez pour moi. Nous voulons à Allah Ta'ala que toute cette nation puisse nous apporter quelques confort droit, mais surtout puisse nous aider à connaître un temps soit peu ce grand homme-là qui jusqu'aujourd'hui n'est pas très connu à sa part sa propriété que nous sommes. Que Dieu nous donne sa lumière à la liberté des terrains. Amalas et mon béa au fond de la bataille. Ani ala ni mo ba ko ye be de ya na se mo no do ala ba de le di ke ani de ala ka mo no do ka ke ka ba ku de ni ala ba de do me ga ta ka se ni ala ni do mo be de ni ala ya to ani ku cha ma de ku a ko ni ba se ka ala ka ku ni ka so yi ta do ni ka ku ye be ta sala ni ba de ka ala ka ku ni Aïe, pour nous, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, la date où vous avez fait, vous avez fait. Nous ne savons pas que nous sommes en train de nous taper à ce moment-là.
Ami, il y a un diacre qui m'a envoyé un
à quel point il y a aucun dîner, dîner de l'eau, par les dîners du jour, on va dire là. Car ce qu'on va dire là, c'est un même endroit. Donc, pour nous, il y a un dîner maillé, car on va dire là, on se tient du camp. Alors, à ce moment-là, les joies de la famille de Rougière, on va dire à Rougière. On va dire à la tête, on va dire à la tête. Mais on va dire à la lumière, il faut qu'on vienne. L'idée pas de la tombe. Et c'est la même chose. Il y a un homme qui a été un homme qui a été un homme. Alors, il y a des gens qui ont été arrêtés par le prophète. Ils ont été arrêtés par le prophète. À qui est-ce que vous avez dit 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 que vous avez ni ma tenue à la fin de 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 la fin وثنى بملائكة الكرسي وثنى سبيل المؤمنين بجنه وانسي وقال تشبيه بفم نبيه وتكريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاه واحده صلى الله بها عليه عشرا وفي الروايه ومن صلى عليه عشرا صلى الله بها عليه مئتان ومن صلى عليه مئتان صلى الله بها عليه الفا ومن صلى عليه الفا ذا حملت كتفه كتفي على باب الجنه فعليه بالاكثار من الصلاه على النبي شكرا تجد ذلك عند الله هو اعظم اجرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمين اللهم صل على سيدنا محمد فاتك المأمول وخاتم النصر ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وفضله وإخلاف العظيم ورضى اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الخادم المخدين السيد الاكبر سيدنا ابي بكر الامير الاكبر وعن سراج اهل الجنه الناطق بالثواب شهيد الكرام ابي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن رمح الاموال في رضا الرحمن ابي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن دائما المتعين بيت بن الغالي ابي الحسن سيدنا علي بن ابي طالب وعن سته الباقيه لا زالت من الهدى باقيه اللهم انصرنا به وانصر من نصر الدين واخزن من خزر المسلمين اللهم احمي من كان في اباكه راح المسلمين ودفن على الدين واجعل اموالهم وزرانيتهم غنيمه المسلمين واقتل السلامه والعافيه لجميع المسلمين ونجني من بلاء وربا وغلاء وتعاون وزنا ووباء فاحكم بجميع زاري بلدنا خاصه وبلاد المسلمين عامه واغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمن سبقنا بالايمان اللهم فرج المفسدين محبتا اللهم فرج المفسدين محبتا اللهم فرج المفسدين محبتا يا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله الله أكبر الله أكبر
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. La 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 la.
Allah
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tabar passe à Aboukar en Iberie, décédé.
Après, il y a son fils Hassan, Ibn Tabar Hassan. Et le roi, et il était flatté par son armée, il a cru qu'il pouvait s'attaquer à la plus grande puissance militaire qui existait. Et c'était les Perses. Il a demandé à son armée d'aller attaquer la Persie. Son armée lui a déconseillé cela, mais il n'a pas accepté. Donc les sages de sa communauté ont vu ses frères l'empêcher. Et finalement, un de ses frères qui s'appelait Amrou l'a tué. Et celui-là est resté, comme il a tué son frère, s'il vous plaît, maman, en bas, allez Samari. Allez Samari. Allez maman, allez maman. Celui qui l'a tué, qui s'appelait Amrou, a perdu le sommeil. Il ne pouvait plus dormir la nuit. Il était toujours inquiet. Et ça faisait partie de leur croyance. Quand tu tues un de tes frères, toi-même, tu ne peux plus avoir la tranquillité dans toute ta vie. Et même maintenant, ça continue d'être. Le lien de sang est tellement fort que quand tu es à la cause même de la mort d'un de tes frères, tu ne peux plus vivre tranquille. Avec la paix qui se passe. Mais par contre, si tu aides un de tes frères, Dieu met la baraka dans ta richesse. Dieu met la baraka dans ta vie, dans ta maison. On fasse Allah que nous puissions respecter le lien du sang. C'est très important. Alors donc, lui, quand il est mort, il y avait un grand couvert de chemin qu'on appelait Naïvi. C'est un pari du pouvoir du Yémen. Quand il a pris le pouvoir au Yémen, il a fait subir aux Yéménites beaucoup de torts. Pendant que eux étaient là-bas, de l'autre côté, vers la Syrie, vous savez, quand Jésus-Christ est arrivé, il a eu des apôtres qui sont allés jusqu'à la Syrie. Se sont installés en Syrie là-bas, à Damas. Alors, il y a un prêtre qui est sorti en mission, qu'on appelait le Père Simeon. Le Père Simeon. Voilà. Donc, Simeon est sorti en mission d'évangélisation. Mais malheureusement pour lui, il a été capturé par les vendeurs d'esclaves. À cette époque-là, c'est comme ça que les Arabes vivaient. Ils ne vivaient même que de ça. Alors on l'a attrapé, il était en captivité, et on l'a vendu à une famille. Alors ce qui s'est passé, c'est que dans cette famille-là, le chef de famille a remarqué que toute fois qu'il se levait la nuit pour voir Simeon, il le trouvait en prière, mais avec une grande lumière. Il était fasciné par cette lumière-là. Il demanda à Simeon, mais quelle est cette lumière-là que tu vois sur toi? Simeon lui a dit que c'est la religion vraie de Dieu. Et il lui a expliqué la religion du christianisme. Il lui a même dit que si tu veux, on va aller en duel. Mon Dieu va aller en duel avec ton Dieu. À cette époque-là, les habitants du Yémen étaient devenus idolâtres. Vous savez, l'idolâtrie, tout à fait un prophète s'en va. Avant qu'un autre prophète arrive, quand le peuple n'a pas beaucoup de chance, à 90%, on tombe toujours dans l'idolâtrie. Parce que l'être humain lui-même a eu toujours besoin d'une force au-delà de lui. Quand il perd les repères vis-à-vis du vrai Dieu, il sera la porte passive de tous les satans et de tous les djinns. Et de toutes les mauvaises croyances. Donc finalement, on devient idolâtre, on devient magicien, on devient sorcier. Tout ça en réalité, c'est en quête de vérité de Dieu. Alors donc, l'autre a accepté. Si ton Dieu arrive à arriver au bout de mon Dieu, il combat mon Dieu. Mais il y a rien à faire, moi je le suis, je deviens adepte de la religion. En ce moment-là, ils adoraient un arbre. Beaucoup c'était un arbre sacré. Monsieur Simon, le père Simon est sorti ce jour-là devant une très grande assemblée. Il faisait ses prières. Il a tellement prié qu'il y a un feu qui est sorti du ciel, qui est venu consumer l'arbre. L'arbre qui est considéré comme étant leur Dieu. Le vrai Dieu a envoyé son feu, ça a brûlé. Et ça a consumé leur faux Dieu. Alors, quand ces habitants-là ont vu ça, ils n'avaient pas d'autre choix.
ils sont tous devenus chrétiens. Et c'est pas pour l'histoire. Le père Simon, il a vu quelques personnes à lui qui sont allées vers Najran. Vous savez que Najran, dans la belle histoire que nous avons, là-bas habitaient les chrétiens. C'est à partir de Simon que les chrétiens ont habité Najran. Il est resté à Najran. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi de l'époque, Yémen, s'appelait Zouwaz. Zouwaz. Voilà. Ce n'est pas du pété ni du gobelet. C'est la langue arabe. Zouwaz. Zouwaz. À cette époque-là, les gens étaient la proie facile des magiciens et des sorciers. Lui, il a envoyé un jeune à lui pour aller apprendre la sorcellerie et la magie chez un chef magicien. Ce jeune homme a su son chemin. A rencontré Zouwaz et ses adeptes. Donc, au lieu d'aller apprendre la magie, il a plutôt appris le christianisme avec eux. Alors, le roi est resté chez lui pour avoir des informations. Si le jeune a appris la magie ou la sorcellerie, il va défendre tout son royaume. Le chef de sorcier ou de magicien qui était là-bas, il dit que le jeune est venu quelques deux fois seulement chez vous et il n'est plus le pays. Alors, quand il a mené ses enquêtes, il a découvert que le jeune, au lieu d'être un magicien, est devenu un chrétien. Il a fait attraper le jeune homme. Et il a demandé au jeune homme de laisser tomber la religion chrétienne. Le jeune homme a refusé. Il a mis la tête du jeune homme à mort. Il a demandé à ses soldats de prendre, de rentrer avec lui dans le Seigneur, dans une barque, et de faire noyer là-bas. Au milieu de la mer, au lieu que le jeune homme meurt, le bat s'est renversé, ce sont ses soldats qui sont morts. Le jeune homme est sorti indemne. Il a demandé à ce qu'on prenne le jeune homme pour le jeter de la rocade d'une montagne. Quand ils sont allés avec lui sous la montagne, il y a eu un tremblement de terre, ces gens sont morts, Dieu l'a pressé. Toutes les tentatives qu'il a faites pour tuer le jeune homme, il n'a pas pu tuer le jeune. Alors, il a appelé le jeune homme, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à te tuer. Le jeune homme lui a dit, si tu veux me tuer là, c'est très simple. Tu rassembles tout le monde et tu dis, au nom du Dieu de ce jeune homme là, je tue le jeune homme avant de tirer la flèche. Si tu fais ça, tu prends le Dieu. Alors, comme il était déterminé à tuer le jeune homme, il a rassemblé tout un peuple et il a pris une flèche. Au nom du Dieu de ce jeune homme, je tue le jeune homme. Quand il a tiré, il a pu atteindre le jeune homme mort. Et en cela, le jeune homme avait sacrifié sa propre vie pour que le peuple du Yémen, qui était à Najran, devienne tous des chrétiens. Et ça, c'est ce qui s'est produit. Tu as tout fait, il n'a pas pu tuer le jeune homme. C'est par l'ordre du Dieu du jeune homme qu'il a pu tuer le jeune homme. Alors c'est que la religion du jeune homme a été la vraie religion. Donc tout ce peuple-là est devenu chrétien. Quand il a vu ça, sa colère s'est augmentée. Il leur a demandé de laisser tomber le christianisme. Ils ont refusé. Il a fait un gros ravin. On appelle ça un cordeau. Dieu dans le Coran, où tu l'as, ça sera un cordeau, un arbre, ça sera un cordeau, ils vont aller là, au rond, Alors, donc, c'est pour ça que l'histoire s'est produite. Ils étaient 20 000 personnes qui avaient embrassé la religion chrétienne. Et ce roi-là les a brûlés dans ce feu là, un à un. Quand il te prend, tu laisses le christianisme ou pas. Quand tu refuses, il te jette dans le grand trou là, puisqu'il y a beaucoup de feu dedans, ça te consume automatiquement. C'est comme ça qu'il a pris les gens, un par un, groupe après groupe. Pratiquement, il les a tous brûlés dans le feu. Et Dieu dit, ils m'ont perdu leur vie parce qu'ils étaient croyants en Dieu. On m'a pas mouru, ils ne se rendaient mieux que parce qu'ils ont cru en Allah. Mais sur les Najran, ça c'est juste une parenthèse. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé,
il y a 60 personnes de Niagara qui sont allées rendre visite au prophète Mohammed pour échanger avec le sous le christianisme. Parmi eux, il y avait le roi de Niagara, il y avait l'homme le plus riche de Niagara, mais aussi il y avait le chef d'armée de Niagara parmi ces 60 personnes. Ils sont allés voir le prophète Mohammed, ils ont habité dans la mosquée du prophète Mohammed, ils ont célébré la messe. Ils ont échangé avec le prophète. Ils ont dit que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que le prophète a une preuve pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Il dit, bien sûr. Il dit, vous savez que Dieu ne meurt pas. Il dit, mais moi Jésus-Christ là. Vous-même, moi, les gens disent qu'ils l'ont tué. Et un Dieu qui ne meurt pas, normalement son fils va être éternel. Ils disent, ouais, ça c'est vrai. C'est pour ça que le prophète nous a posé des petites questions que Jésus a, c'est que même reconnaissent qu'ils ont tort et que ce prophète nous prend bien son roi. C'est vrai qu'il avait raison. Un jour, on va faire sortir l'histoire et l'échange qui s'est produit entre le prophète Mohammed et la délégation de Niagara qui est venue rendre visite au prophète Mohammed à midi. Alors donc, ce Niagara là, c'est là-bas que Ourdour s'est passé, s'est produit. Alors donc c'est ainsi que les habitants du Yémen sont tous devenus chrétiens. Mais parmi les 20 000 personnes qu'il a jetées au feu, il y a un qui a pu s'échapper. Et il s'est rendu où? Jusqu'à Abel Damas. Parce que là-bas, il y avait les chrétiens. Il y avait une partie de Rome qui s'était installée chez les Arabes. Il allait voir Kaïssa, le roi qui était là-bas. Il lui a demandé de l'aide. Ce monsieur-là, vous êtes chrétien. Nous, on va embrasser dans le feu de Saint-Essien. Parce que ce monsieur-là, il nous a brûlé, il nous a consumé dans le feu, il nous a fait subir tous les torts. Nous sommes venus vous demander de l'aide. Quand il s'est regardé, Yémen est très éloigné. S'il veut détacher une armée pour aller combattre chinoise, ça va être très très pénible. Qu'est-ce qu'il a fait? À cette époque-là, l'Éthiopie était sous sa domination. C'est eux qui avaient reconverti l'Éthiopie au christianisme. Donc, il a envoyé à Nagashi. Je vous ai dit que les rois d'Éthiopie peuvent tous porter le nom de Nagashi. Les rois du Yémen portaient le nom de. Qu'est-ce qu'on dit? Touba. Touba. Les rois de la Persie portant le nom d'Israël. Alors donc, il a envoyé un émissaire avec ce monsieur-là pour aller voir Nagashi. Je suis maintenant en train de vous dire comment est-ce que les Éthiopiens se sont installés aussi dans la péninsule d'Arabie. Alors donc, lui, quand il est parti, Nagashi les a écoutés. Nagashi a formé une armée de 70 000 personnes. Avec des éléphants. À cette époque-là, les Éthiopiens avaient réussi à dominer les éléphants. Les éléphants. Et pendant les guerres, ils utilisaient les éléphants. Mais ils n'étaient pas le seul à le faire. Même en Persie, le roi de la Perse lui-même utilisait les éléphants pendant les guerres. Mais le peuple arabe ne connaissait pas ça. Que c'était des chameaux ou bien des chevaux. Ou bien les âmes. Alors que 70 000 personnes, il en a fait de leur chef un monsieur qu'on appelait Ariad. Mais dans la cour d'Ariad, il y avait un autre chef de guerre qui s'appelait Abrahata. Tout le monde sait que c'est Abrahata qui s'est dirigé avec son armée pour aller détruire la Kaaba. Mais tout ça, c'est avant cet événement. Donc Ariad, dans son armée, Abrahata, se sont dirigés vers le Yémen. Et ils ont combattu Zunouas et ils l'ont dévasté. Zunouas a refusé de se rendre. Il est allé dans la mer et il s'est suicidé dans la mer par Moyette. Et avant nous allons avec cet homme, je refuse de me rendre. Je préfère la mort que de me rendre. Zunouas est comme ça. Donc, le chat de Zunouas est fini. Le Yémen maintenant est devenu de A à Z une ville purement chrétienne.
Mais Ayas, qui était le chef d'Abbé, le commandant d'Abbé, lui maintenant, qu'est-ce qu'il a commencé? Il est devenu maintenant le tout puissant du Yémen. Il a commencé à faire subir beaucoup de tort, non seulement aux habitants de Yémen, mais aussi même aux membres de son armée. Alors il y a eu une rébellion dans son armée. Et cette rébellion a été causée par Abrakata. Abrakata dit, on ne peut pas accepter ça. Nous sommes tous de la même année. Il ne veut pas vraiment nous causer du tort comme ça. Donc, généralement, quand il y a quelqu'un qui se débat comme ça, il y a une personne qui accepte le dessus. Donc, il y a eu une révolte, il y a eu une rébellion. Les deux armées éthiopiennes allaient s'affronter maintenant en guerre. Mais Abrakata a été sage. Il a dit, au lieu de s'affronter en guerre, laissez-moi en duel, moi et Ariad, nous seulement. Celui qui gagne la guerre, le duel là, il prend le commandement et on n'a plus besoin que nos deux armées se sentent tuer. Ariad a accepté, ils sont allés en guerre, en duel, j'allais dire. Finalement, pendant le duel là, Ariad avait pris son épée pour essayer de tuer Abrakata. Et il a raté et l'épée lui a tranché le nez. Donc on a appelé Abrakata, Abrakata al-Ashram. Comme je dis, Al-Ashram. Aïcha va couper son front. Donc il a coupé son nez. Mais le Dieu a continué. Et finalement, Abrakata a eu le dessus sur Ariad. Abrakata a tué Ariad. Abrakata est devenu l'homme le plus puissant du Yémen à cette époque-là. Le nouveau commandant de guerre. Celui qui commandait tout le Yémen. Mais en même temps, le roi Nagashi est resté en Éthiopie. Il n'a pas aimé ce qui s'est passé au sein de son armée. Comment est-ce que Abrakata a pu tuer Ariad? Lui qui a envoyé Ariad à la tête de cette armée-là. Alors qu'il s'apprêtait à préparer une armée pour lui combattre Abrakata. Abrakata a eu peur. Quand il a eu peur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rasé la tête. Il a pris la terre, une portion de terre du Yémen. Il a envoyé des émissaires avec sa couronne de sa Abrakata. Et Ali Nobel a négagé le tout. En disant Nagashi, Wallahi, c'est Abrakata qui a réussi, c'est Abrakata qui a causé tout cela. Moi, je suis soumis à toi. La preuve avec lui, je t'envoie les propres cheveux. Et la terre de Yémen là, t'appartient. Voilà une partie des terres de Yémen que je t'envoie. Nous sommes à toi. Quand Nagashi a vu ça, il a plus senti le besoin d'aller combattre Abrakata. Puisque Abrakata s'est soumis automatiquement. Alors donc, il a renforcé même Abrakata là-bas. Abrakata était devenu le tout puissant. Mais Abrakata n'avait pas l'inquiétude. Il avait toujours peur de Nagashi. À cette époque-là, l'Éthiopie était une très grande armée. Et quand vous lisez l'histoire, vous trouvez que il fut un moment où l'Éthiopie même avait gouverné le monde. Alors bref, il a eu peur, il cherchait toujours un moyen pour contenter Nagashi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi, il a trouvé une astuce. Et alors, je vais construire la plus grande église de toute la ville. Et il a construit cela. Et il lui a donné le nom de Funès. Et il a dit à Nagashi, je construis la plus grande église et je vais forcer les Arabes à venir faire le pèlerinage ici. C'était son projet. Mais parmi les Arabes, il y en a qu'on appelle Ahmed Bassar, Ahmed Nassir. Ceux-là, ils étaient beaucoup attachés à la Kaaba. L'un d'entre eux s'est déplacé jusqu'au Yémen. Et il allait déféquer la l'église de Abrakata, en l'occurrence la Bounaise. Et il s'est enfui. Quand Abrakata a assuré, quand Nagashi a su cela, il a dit à la commission de venir s'apporter mon église, à cause de l'être Kaaba, je vais aller détruire l'être Kaaba. Je suis en train de vous dire maintenant, comment se
à l'endroit qu'il va être arrivé. Abraham, il a constitué une grande armée avec beaucoup d'éléphants. Ils se sont dirigés vers la Mecque. Mais ils ne connaissaient pas vraiment l'emplacement de la dame. Quand ils sont sortis, toute la communauté arabe qui pouvait les rencontrer, commençant par celui qui s'appelle Zunafa, il est sorti dans une très grande armée, mais il ne faisait pas le poids devant Abraham. Abraham a non seulement les balayés, mais il a pris en captivité le devenu sur l'esclave. Il a continué son chemin. D'autres Arabes se sont mis au travers de son chemin. Il les a balayés. Il a fait deux ses esclaves. Jusqu'à ce qu'il arrive à Taïfa. Quand il arrive à Taïfa, les habitants de Taïfa ont dit, ah nous, on ne veut pas les problèmes. Mieux que ça, on va mettre quelqu'un qui se propose tout le monde d'aller te montrer pour se trouver la cave. Cela s'appelait Abou-Mirad. Abou-Mirad. Oui, ça peut. Lui, il a été traite vis-à-vis de tous les Arabes. Pendant que son peuple cherchait à dissimuler, à cacher l'endroit où était situé la Kaaba, lui il s'est porté lui-même garant de monter pour toute la Kaaba. Depuis qu'il a fait ça, quand il est mort, les Arabes étant à ce moment-là par rapport au Marjama, ils ont pris sa tombe comme un lieu de l'habitation. Quand ils arrivaient là-bas, ils avaient les pieds, ils ont pris sa tombe. Et que c'est même le plus traître de toute la vie. C'était le symbole de la traîtrise. Et ils ont banni lui de toute sa descendance. À tel point que quand l'Arabe veut te traiter comme un traître, il y a un avoir. Même si ce n'est pas pour nous. Bref, finalement, ils sont arrivés. Et sur le chemin, tout le bétail qu'ils voyaient, ils prenaient. Et c'est ainsi qu'ils ont vu le bétail qui grandit le prophète Mohammed. C'est un Abdul Muttalib. On dit Abdul Muttalib, pas Abdul Muttalib, comme on le dit dans ce verset. Parce que le mot est venu. Oui, il allait plaider pour qu'on lâche son bétail. Mais il n'avait pas pu avoir accès à Abraham. Zunafa, qui est l'arabe qui était en captivité, il s'est adressé à lui. Donc il a dit, moi je ne peux rien sur l'activité. Mais va voir celui-là. On appelle ça il suffit. Celui qui guide les élèves. Ça il suffit. Il va le voir parce que Abraham l'aime beaucoup. Et à cette époque-là, ceux qui guidaient les éléphants avaient une place dans la société. Donc, il allait voir ce dernier et moi je veux rendre Abraham. Mais les grands-mères du prophète Mohammed par son montagne, il était un homme par contre Jésus. Vous savez, toutes ces personnes-là, chez qui la lumière du prophète Mohammed a transité pendant un moment, il ne pouvait plus être comme un ordinaire. Il avait une aura que quand tu le voyais, toi-même automatiquement tu le respectais. Il avait aussi une beauté. Quand tu le vois automatiquement, tu l'aimes. Comment est-ce que le prophète, sa lumière va passer dans ton lieu comme ça, et que tu n'es pas beau, et que tu n'es pas un homme rempli de là. Ce n'est pas possible. Donc, Abdul Muttalib était quelqu'un qui avait une grande courage, qui avait une grande beauté. Quand il a rencontré Abraham, quand Abraham l'a vu automatiquement, il était assis sur son lit, il s'est levé. Il voulait même faire asseoir le grand père du prophète Mohammed sur le lit. Mais il a regardé, il y avait quelques hommes de son armée qui étaient là. S'il faisait ça, même allait le critiquer après. Mais donc là, tu ne veux même pas, tu te lèves. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis par terre avec le grand père du prophète Mohammed. Il dit, qu'est-ce que je veux faire avec toi? Le grand père du prophète Mohammed lui dit ceci. J'ai appris que tu as pris tout ma bétail. Je suis venu te voir que tu libères ton bétail. C'est à cause de ça que je suis arrivé ici. En live, il n'est pas content. Il dit, quand je t'ai vu, je t'avais tellement respecté que je croyais que tu avais une requête mieux et plus importante que ça. Moi, je suis venu pour détruire ta cara, ta chose la plus digne que tous les Arabes ont eue. Tu ne viens pas plaider pour que je laisse ce projet-là. C'est ton bétail qui t'intéresse. Le grand père du prophète dit, il dit quand tu as la maison est propriétaire. Moi je suis le propriétaire de mes chameaux.
Chacun va être dans ce qui lui appartient. Moi, c'est le chameau là qui m'appartient. Et finalement, il lui a remis ce chameau et il s'est préparé maintenant pour aller détruire la carte. Et tout le monde connaît la suite. Quand ils sont arrivés à côté de la Kaaba, avec l'éléphant qui pouvait détruire la Kaaba, qui s'appelait Mahmoud, il y a un arabe qui était en captivité, qui a voulu aller se cramponner à l'oreille de l'éléphant. Il a dit, il y a Mahmoud, il est l'éléphant là-bas, c'est la maison de Dieu. Automatiquement, l'éléphant s'est ajouté. Le guide de l'éléphant a tout fait pour forcer l'éléphant, l'éléphant a refusé. Mais quand il dirige l'éléphant vers les mains, l'éléphant s'en va. Quand il dirige l'éléphant vers la Kaaba, l'éléphant refuse. Pendant qu'ils étaient en train de régler leur problème, automatiquement, ils remarquent que le ciel est devenu tout noir. Des petits oiseaux, on dirait des mangemines. Encore une fois, on a des mangemines. Ces mangemines-là, ils étaient d'abord dans leur tête, des grains comme des grains de levure. Comme ce qu'on appelle lentille. Pas la lentille, là, non. Il doit beaucoup qu'à se soigner. À quand ils étaient. Voilà, ils avaient ça sur leur bec et aussi, comment qu'on appelle ça, on s'en va, sur les pattes aussi. Alors, ils ont commencé à lancer ça sur ces personnes-là. Malheur à toi, si un seul puissant sur toi, arrive le mal. Quand ça tombe sur ta tête, ça te décompose automatiquement. Et Dieu dit, Adam, Karaké, Rastar, Adam, Pouka, Rastar, Léfi, ce sont les termes d'Alina. Tamihi Bihyati Mishihim, Jaradun Kaskimahu. Ces pierres-là, leur provenance c'était l'enfer. Vous savez le fait que nous utilisons là? Quand Dieu a voulu envoyer le feu sur terre, parce qu'il a eu, il a su qu'il a trouvé à avoir besoin de feu. Il a demandé aux anges d'aller prendre le feu. Une petite braise, cette petite braise-là, ils n'ont pas allé la laver pendant des années. Ils l'ont gardé là-bas. Jusqu'à ce que eux-mêmes sentent que c'est devenu glacial. Ils l'ont envoyé sur terre, ça a brûlé toute la terre. Dieu a dit d'aller encore laver. Ils ont mis la parole 70 fois. Avant que nous autres, nous puissions utiliser le feu là, et quand ça te touche là, tu peux voir à ton pays. Mais le feu là même, donc son origine est l'enfer. Plus même plus Dieu, oh Dieu, pourquoi tu dis que moi mon origine c'est l'enfer quand j'ai retourné là-bas hein? Je ne suis pas d'accord. Mais il y a des soyeurs à derrière. Donc, priez Dieu que vous n'entrez pas l'enfer. Nous puissions pas prier Dieu l'enfer. Où il retient à la vie. Alors donc finalement, Abrahata a été détruit, mais l'arrivée de Abrahata, l'installation de Abrahata au Yémen, nous avons une idée de comment les Éthiopiens se sont installés à la péninsule arabique. Abrahata est mort, mais l'enfant de Abrahata a assuré la succession de Abrahata. Alors, un des enfants de Asad, d'Abban Asad Aboukar, un de sa descendance, a regardé, mais nous sommes les véritables rois du Yémen. Donc aujourd'hui, là, ce sont les Éthiopiens qui nous commandent. Je ne peux pas accepter ça. Ils se dirigeaient vers l'Irak. En Irak, là-bas, il y avait un grand roi le plus renommé de tous les Arabes, on l'appelle le Roman. Il avait pas le droit de Mosé. Il dit franchement, puisque tu vois, ce que nous vivons là, ce ne sont pas les Arabes. Aide-moi à les chasser pour ramener le royaume de Bébert. Maman lui a dit, moi je suis roi, mais je ne peux pas affronter les Éthiopiens, ils sont plus forts que nous. Si tu veux, tu restes avec moi. Moi-même, mon royaume dépend de qui sera. De la Persie et le roi de la Persie. Chaque année, je dois aller renouveler mon allégeance à Kisra. Quand je vais partir là-bas, j'irai avec toi. Peut-être que lui,
pourra t'aider. Il a une sorte de expliquer comment est-ce que la Persie s'est installée dans la péninsule arabique. Quand ils sont partis, à cette époque-là, quand Kisra doit sortir, il y a un grand rideau qu'on met. Il vient et s'assoit. Il a son, comment est-ce qu'on appelle, sa couronne pesait 70 kilos. Qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait des fils en argent très fins que les gens ne voyaient pas. C'est ça qui tenait ça. Mais quand il vient s'asseoir, comme c'est déjà bloqué, il met sa tête dedans. Les gens pensent que c'est la tête qui tient ça. Alors quand on ouvre le rideau, quand les gens nous voient avec cette couronne, tout le monde s'agenouille. Voilà ce qu'on se dit que ça, c'est le véritable Dieu. Et depuis le passé, c'est comme ça qu'on a toujours trompé les gens. Même Pharaon, il savait qu'il n'était pas Dieu. Quand Dieu a envoyé Moussa à l'Esraël, quand il a pour la première fois se sont rencontrés, Pharaon lui dit, mais si je suis ton Dieu là, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Il dit, premièrement, il va te donner la force de 20 hommes. C'est-à-dire, toi seul là, quand tu vas aller avec ta femme, tu as la force de 20 hommes. Lorsqu'on est dans ça, c'est-à-dire en une seule nuit, si tu veux, tu peux visiter toutes les femmes. Dans ton arène naturel, tu peux comme tu veux. Tu es toujours quelqu'un. Il dit encore, il va te donner une santé de fer. Il va te donner une longue vie. Et si tu meurs encore, il te donne une maladie. Voilà, mais ça là, c'est une bonne chose. Oui, Moussa j'accepte. Dans un premier temps, il a accepté ce que Moussa lui a dit. Mais en ce moment-là, Haman était en absence. Quand Haman est venu, c'était son chef de chantier. Il lui a dit, ah, ce que Moussa propose est bon, hein. Regarde ce qu'il m'a proposé. Et j'ai accepté. Haman lui a dit que je pensais que j'étais intérieur, là tu es bête. Il dit comment ça? Il dit, si tu acceptes ça, ça veut dire que devant le peuple, tu n'as plus Dieu. Tu es devenu un esclave, un petit Dieu. Les gens te considèrent comme un Dieu. Maintenant, on se rend compte que là, tu n'es pas Dieu. Tu es un esclave d'un autre Dieu, du Dieu de Moïse. Est-ce que tu peux supporter cela? Il dit, voilà ce que tu dis de vrai. Je refuse ce que vous savez. C'est la part de tout ce problème à commencer. Bref, on retourne en arrière. Alors, donc, le roi de la Persie a regardé, mais quand il est sorti, tout le monde s'est prosterné, sauf le jeune arbre. Lui ne s'est pas prosterné. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Mais Manhazan Roulam Al-Ahma, qui est ce petit Dieu-là? On l'a fait venir. On dit, pourquoi tu ne t'es pas prosterné? Il dit, moi, le problème que j'ai là, je ne vois même pas ma tête, après, je vais te faire la prosternation. On dit, quel est le problème que tu as? Il dit, le royaume de mes parents a été envoyé par des étrangers. Et je ne peux pas supporter ça. Je suis venu te voir pour que tu m'aides à retourner le royaume à sa descendance. Qui sera réfléchi? Mais même si on va là-bas, on a quel intérêt là? Nous ne sommes pas là. On va aller mettre notre armée en péril pour rien. Parce que Pierre est très éloigné. Mais quelques conseillers de Kisra nous disent, on lui a dit qu'il ne faut pas faire ça. Il faut laisser partir. Mais si tu laisses partir comme ça, on va lui dire qu'il est déjeuné. Mais il faut lui donner des habits avec beaucoup d'or. Et il faut te soumettre près de lui. Donc Kisra lui a donné de l'or, des habits. Il a pris ça quand il est sorti du palais, il a commencé à discuter ça aujourd'hui. Ah, ils sont allés dire à Kisra, le jeune homme là, ça m'a fait sa tête. Tout le monde que tu lui as donné là, il a tout distribué aux gens. Kisra a dit, fais que revenir. Pour me dire, ça ne va pas bien dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, tu vas donner de l'or. Je suis venu là-bas au Yémen là. Toutes les montagnes sont remplies d'or. Il est en train de regarder. Les rois sont trop fonds de l'or. Il dit, mais moi, on n'a pas l'information qu'il y a beaucoup d'or là-bas. Alors, quand on vient de nous, il faut qu'on change de conseil. Il dit, mais comment c'est comme ça? Tu as
des gens qui étaient révoltés parmi les gens de la ville, qui étaient mis en prison. C'était des prisonniers qui sont des prisonniers à vie. Non. Mais sur les prisonniers de sortir, tu mets un chef de guerre non. et ils vont aller combattre. Non. S'ils sont morts, là nous allons mourir en prison. S'ils sont morts, pas qu'à la peur. S'ils sont pas morts, le Yémen t'appartient. Ouais. Finalement, il a accepté. Il a mis un chef de guerre. Non. Et ils sont partis avec le genou. Ils ont pu tuer le fils de la Rada. Au lieu de remettre le pouvoir au descendant de Tabar Pascal, ils se sont accaparés le pouvoir. Ils sont venus de mettre le roi là-bas. Quand le prophète Mohammed Sassam a été devenu prophète, celui qui gouvernait le Yémen, qui était un des Perses que Kisra avait mis là-bas, s'appelait Razan. J'ai vu comment Razan. Quand le prophète Mohammed Sassam a envoyé ses messagers pour aller distribuer les lettres aux différents rois. Quand Kisra a reçu la lettre du prophète Mohammed, il a déchiré. Il dit, mais ça va pas chez lui. C'est comme les États-Unis d'Amérique. Et puis un pays, je ne sais pas, complètement une trop. C'est une image qui envoie une lettre au pouvoir le plus fort du monde. Que Asden Tastan, que devient mon adepte. Comme ça, là, tu n'as pas profité de frapper le péché de sortisan. Quand on a dit, mais ça ne va pas chez lui. Il a déchiré la vie comme ça. On aurait dit, Massaka Rissalati, Massaka Paoukouka. Il a déchiré ma lettre que Dieu déchire son royaume. Et il n'a pas formé l'armée pour aller voir le prophète. Tout que c'est trop donné de l'importance au prophète. Il a appelé Bazan. Il dit, il y a un villageois appelé le Jehovah qui ne sait pas qui je suis. Envoie des gens pour aller l'attraper pour l'envoyer. Lui aussi, comme il était, il avait foi en lui, il a envoyé deux personnes seulement. Pour aller attraper le prophète Moïse. Quand ils sont arrivés, on cherche le monsieur qui dit qu'il peut faire par Mohamed. On est envoyé sur le Sassan. Non. Il dit que nous sommes venus à la rue pour l'envoyer chez Bazan. Ah bon? Non. C'est Kisra qui nous a aidé au Yémen, je vais vous dire quelque chose. Non. Hier, Kisra est mort. Non, papa. Hein? Non, papa, n'est-ce pas? Mais si c'est vrai, c'est que tu as dit. Comment tu l'as su? Non. Parce que pour que l'information quitte en Persie jusqu'à la vie, ça prend un mois. Quand tu dis que hier il est mort, tu as su ça comment? Non. Mais c'est la révélation de Dieu. C'est lui qui m'a donné cette déclaration-là. Ils sont retournés, ils sont allés voir au Yémen, ils ont mis ça à Bazan. Quelques 15 jours après, il y a eu un message qui est arrivé qu'il y a 15 jours, Bazan, c'est de là-bas aller au Yémen, ils avaient 15 jours, et de Yémen, il y a eu 15 jours, Bazan reçoit le message que Kisra est mort. Il y a eu une rébellion contre Kisra, la famille même de Kisra a tué Kisra. Donc quand il a vu ça, il a dit, si le monde a pu savoir ça, c'est que Wallah, c'est un prophète. Moi, j'accepte de le suivre. Bazan est devenu musulman, lui et cette partie de la Persie qui était au Yémen. Quand il est mort, son fils a succédé, lui aussi est devenu musulman. Et le prophète l'a confirmé dans son royaume là-bas. Alors on va arrêter le soir ici. Le prochain, Michel, vous allez N'oubliez pas que nous avons le bonheur de faire mon nom. Nous sommes tous les réunis à la fin. Malik Yawmiddin, Iyaka Na'budu, Iyaka Nasta'in. Ihdina Sirata al-Mustaqim, Sirata al-Ladina An'amta alayhim. Ghayri al-Maghdubi alayhim wa al-Dallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير